Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On est vraiment très heureux de vous retrouver pour la première fois depuis longtemps sur ces conférences Feel Good. Pour la première fois, elles sont à nouveau accessibles à toutes et à tous en présentiel, mais vous êtes, je le sais, à chaque fois très nombreux et nombreuses à nous suivre en ligne, en direct sur la chaîne YouTube de la MSH. Donc, on entame cette 7e saison des conférences Feel Good de ce cycle et on démarre cette année par une conférence avec Rebecca Shankland. On aurait dû avoir la conférence avec Béatrice Lambois de Santé Publique France, mais elle s'en excuse, elle a un empêchement. C'est pas très grave puisque l'objectif était de parler des compétences psychosociales, notamment à l'occasion de la sortie de votre livre Les compétences psychosociales, manuel de développement que vous avez coécrit, Rebecca, avec Béatrice Lambois et Marie-Odile Williamson, qui est paru aux éditions De Beck cette année. Ce cycle de conférences, il est coporté à chaque fois par la Maison des sciences et de l'homme, et je tenais à remercier Laurence Raphaël et Eva Villa qui nous aident bien dans l'organisation de ces conférences, par l'UGA, le LIP PC2S, la SFR Santé Société, l'association Social Plus, la chaire Paix économique, Mindfulness et bien-être au travail, l'université Lumière Lyon 2 et le laboratoire DIF de l'université Lumière Lyon 2. Voilà. Merci beaucoup, Rebecca, d'être avec nous aujourd'hui et je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, j'en profite aussi pour remercier Jean-Baptiste Baudier, Marine Poxic, qui nous aident donc depuis plusieurs années maintenant sur l'organisation de ce cycle et des différentes journées qui ponctuent le diplôme universitaire de psychologie positive qui a lieu ici à l'Université Grenoble-Alpes. Donc, pour rappel, il y a une journée de l'innovation positive qu'on organise chaque année qui aura lieu demain. J'y reviendrai à la fin de cette conférence. Et puis, en fin d'année, la journée de psychologie positive, où les étudiants présentent les résultats de leurs recherches pour que les professionnels puissent ensuite s'inspirer de ces travaux et de ces outils pour leur pratique professionnelle. Donc aujourd'hui, cette conférence porte sur le développement des compétences psychosociales chez l'enfant. Et juste avant de commencer cette conférence, je voulais juste dire un mot sur Mihaly Csikszentmihalyi, qui est une des grandes figures de la psychologie positive et qui est décédé hier. Et donc c'était vraiment une figure importante qui a beaucoup inspiré les chercheurs, les étudiants. Et donc, une partie de ces livres ont été traduits en français. Donc, je vous ai mis ici les principaux ouvrages qui ont été traduits dans de nombreuses langues, donc notamment autour de la créativité et autour du flow, que vous verrez plus en détail dans le DU de psychologie positive, mais que vous pouvez aussi aller découvrir dans ces ouvrages. Alors, la particularité, c'est qu'il a commencé ses travaux bien avant le début de l'appellation psychologie positive. Donc, il a fait toute sa carrière sur la créativité et la notion de flow, donc cette capacité à entrer pleinement dans une action en étant engagé, en mobilisant ses ressources, ses compétences au profit d'un objectif, d'un but à atteindre. Et dans ces situations de flow, donc on perd la notion du temps, on est dans vraiment cette sensation de progresser, de pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc voilà, je vous invite à aller voir toutes ces recherches qui ont été menées pendant tant d'années. Donc les compétences psychosociales, c'est une notion qui a été proposée au départ par l'Organisation mondiale de la santé et définie de la manière suivante. Donc c'est la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. Donc au départ, c'était vraiment défini comme une compétence unique qui nous permet de nous ajuster au quotidien. Par la suite, il y a eu plus de précisions qui ont été données autour de ces compétences qui sont maintenant considérées comme multiples et pas uniquement une capacité, mais toutes les compétences qui vont nous permettre cette adaptation effective. Donc là, c'est une définition de Jacques Fortin, donc c'est un collègue québécois
qui donne un peu plus de précision pour mieux comprendre comment fonctionnent ces compétences. Donc, ce sont des compétences à considérer comme des outils d'adaptation cognitive, émotionnelle, comportementale, permettant à un individu de faire face aux situations de la vie en respectant les autres et en collaborant avec eux. Donc, il y a vraiment cette idée que s'adapter, c'est pas juste s'adapter individuellement aux situations, mais s'adapter aussi en respectant son environnement et en lien avec son environnement. Donc, ça recoupe finalement des compétences qui vont être à la fois d'ordre cognitif, qui vont nous aider à résoudre des problèmes, à prendre des décisions, d'ordre affectif, parce qu'elles vont nous aider à mieux réguler nos émotions, et d'ordre social, puisqu'elles vont nous aider à entrer en relation de manière constructive avec les personnes. Par la suite, l'Organisation mondiale de la santé a donc souhaité regrouper ces compétences psychosociales en trois catégories pour rendre plus lisibles ces caractéristiques différentes des compétences psychosociales. Donc les compétences d'une part cognitives, comme savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions, savoir être en pleine conscience, c'est une appellation qui a été ajoutée plus récemment par Béatrice Lambois, précisément, notamment dans son dernier ouvrage qui était sorti en 2020 et puis celui de cette année, ce qu'on a écrit ensemble, où effectivement, basé sur un certain nombre de recherches et sur la catégorisation de l'OMS qui parle de la conscience de soi, eh bien, finalement, on a proposé ce terme de savoir être en pleine conscience, qui porte sur cette capacité à être dans l'ici et maintenant, plutôt que de courir après toujours les prochaines urgences ou de ressasser des éléments du passé. Donc, c'est vraiment une compétence qui est considérée aujourd'hui comme particulièrement utile pour s'adapter au quotidien d'une manière constructive. L'auto-évaluation positive, donc c'est l'estime de soi, le sentiment de compétence, donc tout ce qui va nous aider à avoir confiance en nous pour pouvoir mieux agir dans le quotidien. La pensée critique, alors c'est pas le fait de critiquer les autres ou de se critiquer soi-même, mais c'est la capacité à prendre du recul par rapport à nos pensées, par rapport à nos jugements ou à ceux des autres, donc c'est cette capacité de discernement finalement. Et la pensée créative, alors c'est pas tant le fait d'être bon en dessin ou bon en modelage, c'est vraiment cette pensée créative du quotidien que nous avons énormément mobilisée pendant toute cette période de crise qui a nécessité une adaptation quasiment de chaque instant. Notamment, nous, on travaille beaucoup dans le champ du soutien à la parentalité et donc les parents ont dû innover énormément en faisant l'école à la maison, tout en étant en télétravail, etc. Et confinés. Donc, ça nécessite beaucoup de pensée créative. C'est cette capacité à innover dans le quotidien. Au niveau des compétences émotionnelles, là aussi, depuis la classification de l'OMS, il y a eu beaucoup de travaux qui ont apporté plus de détails sur ces compétences émotionnelles, qui au départ étaient simplement décrites comme gérer ses émotions, gérer son stress. Mais avec les travaux notamment de Moira Mikola-Jack de l'Université de Louvain en Belgique, il a été montré... Il y a une distinction beaucoup plus précise des compétences émotionnelles qui comprennent la capacité à identifier ses émotions, les comprendre, les exprimer, les réguler et les utiliser pour pouvoir faire des choix éclairés dans le quotidien. Donc aujourd'hui, on prend en compte toutes ces dimensions des compétences émotionnelles. Et la troisième catégorie, donc les compétences sociales, là aussi, on a apporté progressivement plus de détails sur ces compétences sociales, notamment parce que avec Damien Tessier, on travaille beaucoup en milieu scolaire et certaines compétences ne figuraient pas dans la catégorisation de l'OMS et sont particulièrement importantes, comme savoir demander de l'aide. Donc, c'est des compétences qui ont été ajoutées dans cette classification qui sera donc remise à jour prochainement avec un travail qu'on effectue avec Santé publique France. Donc, les capacités d'écoute, d'empathie, de coopération, la capacité à résoudre des conflits, qui est aussi une dimension clé dans le domaine scolaire pour la réduction des situations de violence et de harcèlement. Savoir s'affirmer, savoir résister à la pression du groupe. Donc ça, c'est des compétences psychosociales qui figurent dans la classification depuis le début et qui ont montré une efficacité très importante en termes de prévention des conduites à risque.
cette capacité à pouvoir résister à la pression du groupe, sachant que le pic d'influence du groupe de pairs est autour de 14 ans. Et donc, c'est vraiment ce moment-là où on a le plus besoin de développer cette compétence pour éviter de développer des consommations à risque, des conduites sexuelles à risque, etc. Donc, ce que montrent les recherches, et notamment les méta-analyses, c'est-à-dire des synthèses de toutes les recherches interventionnelles qui ont été menées sur les compétences psychosociales, donc notamment la méta-analyse de Durlach qui a porté sur plus de 270 000 élèves, donc, parce qu'ils ont rassemblé donc, toutes les études qui ont été effectuées. Ce que montrent les résultats de ces études, c'est une influence positive de ces ateliers de développement des compétences psychosociales sur la santé mentale, donc avec moins de troubles affectifs, moins de troubles du comportement, une meilleure estime de soi et plus de bien-être. Une prévention efficace en termes de conduites à risque avec moins de consommation de substances psychoactives, moins de violence, moins de harcèlement scolaire. Et également, ce qui est particulièrement intéressant sur le plan de l'éducation, c'est qu'on a des effets qui ne sont pas seulement sur la santé mentale ou la santé physique, mais aussi sur la réussite scolaire. Donc avec de meilleurs résultats, moins d'échecs, des diplômes plus élevés et ensuite une meilleure insertion sociale. Et enfin, sur la dernière dimension, de meilleures relations, donc à la fois au sein de la famille et au sein de l'école. Donc, ça montre finalement tout l'impact important que peuvent avoir ces compétences qui font qu'aujourd'hui, ça fait partie du programme de l'éducation nationale depuis 2016 et c'est une des priorités au niveau du ministère de la Santé, donc pouvoir contribuer au développement de ces compétences psychosociales à différents niveaux, donc pas seulement en milieu scolaire, là on va plus s'intéresser aux enfants aujourd'hui, mais on travaille également sur le développement de ces compétences auprès des professionnels, les soignants, les professionnels de l'accompagnement, auprès des parents, puisqu'en fait les enfants vont apprendre essentiellement à travers l'imitation. Donc, plus il y a d'adultes autour d'eux qui incarnent ces compétences psychosociales, plus ça va être facile pour eux de développer ces mêmes compétences. Je vous donne un exemple chez les parents. Les parents qui ont développé des compétences émotionnelles, notamment la capacité, alors bien sûr, à identifier les émotions. En général, les parents ont suffisamment d'empathie envers leurs enfants pour bien identifier les émotions, mais ensuite d'être en mesure de les accueillir toutes les émotions de l'enfant, plutôt que de chercher tout de suite à faire changer d'émotion à l'enfant pour qu'il ne reste pas dans une émotion difficile. Ce qui a été montré, c'est que les parents qui présentent ces compétences de régulation des émotions, d'accueil des émotions, d'acceptation, vont permettre un meilleur développement des compétences émotionnelles de l'enfant que les parents qui vont plutôt chercher à faire changer tout de suite d'humeur l'enfant en lui disant « Oh, mais t'inquiète pas, ça va passer », ou bien « C'est pas la peine de pleurer pour ça », etc. Ou effectivement, ça part d'une bonne intention. On se dit « J'ai pas envie que mon enfant il reste dans cet état, donc on va vite passer à autre chose ». Mais en fait, on n'aide pas l'enfant à apprendre à mieux comprendre ses émotions, d'où ça vient. Une émotion difficile, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important pour lui qui s'est passé. Et donc, prendre ce temps avec lui, c'est une manière de l'aider à développer ses compétences psychosociales. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir développer ces compétences. D'une part, en développant celle de l'entourage, donc, qui va permettre un apprentissage social des émotions par l'enfant au sein de la famille ou à l'école ou dans les structures de travail social s'il est hébergé. Et à travers des modalités pédagogiques qui vont favoriser notamment le travail collaboratif. Sachant qu'aujourd'hui, on a une représentation plutôt négative de la coopération. C'est notamment des recherches qui ont été menées par Agathe Fanchini sur la représentation des élèves coopératifs par les enseignants. Et dans sa thèse de doctorat, elle a mis en évidence que les enseignants avaient une représentation péjorative, c'est-à-dire que plus les enfants étaient évalués comme coopératifs, plus ils prédisaient des difficultés sur le plan scolaire et au niveau de la réussite sociale par la suite, une fois sortis de leur scolarité. Donc cette représentation négative de la coopération, elle est notamment basée sur une survalorisation qu'on a dans notre société de l'indépendance. L'indépendance comprise comme
on n'a pas besoin des autres. Il faut pouvoir se débrouiller sans les autres. Et donc ça, dès le plus jeune âge, c'est valorisé dans notre société. Et dès l'école maternelle, on va plutôt chercher à ce que tous les enfants développent les mêmes compétences au même âge pour aboutir chacun à une capacité à être indépendant, c'est-à-dire ne pas avoir besoin des autres pour effectuer les tâches du quotidien. Alors, ce que montrent les recherches, c'est qu'en fait, il y a une différence importante entre indépendance au sens de on n'a pas besoin des autres, ce qui est une illusion d'ailleurs, puisque les humains sont interdépendants et ont fortement besoin des autres, ne serait-ce que pour la santé mentale. Donc l'isolement social est associé vraiment à toutes les problématiques de santé mentale, y compris donc les problématiques suicidaires. Et inversement, donc le fait de pouvoir travailler vraiment sur l'autonomie. L'autonomie, c'est ce qui va nous permettre d'être à même de mener des activités à bien au cours de la journée, mais en interdépendance avec les autres. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut demander de l'aide, on peut demander un conseil. Ce qu'on fait, ça va aussi contribuer à ce que d'autres font. Donc, on n'est pas des électrons libres indépendants, on est bien en interdépendance. Et cette culture de l'interdépendance, elle n'est pas suffisamment valorisée aujourd'hui. C'est-à-dire que par exemple, j'ai un collègue qui travaille sur la triche comme comportement prosocial. C'est-à-dire que les élèves, ils essayent d'aider les autres, mais on considère que c'est de la triche. Mais du coup, ils se font punir, etc. Il faut que chacun reste face à sa copie. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de comportements comme ça, solidaires, qui essayent de se mettre en place et qui sont réfrénés parce qu'on ne peut pas vraiment, il n'y a pas suffisamment de place pour ce travail collaboratif dans le quotidien de l'école. Donc ça, c'est vraiment une dimension sur laquelle d'autres cultures ont commencé à travailler bien avant nous, notamment au Québec, où ils proposent, dès le jardin d'enfants, des projets collaboratifs qui sont fondés sur cette interdépendance positive, c'est-à-dire proposer à chaque élève de pouvoir montrer quelles sont ses compétences et monter des projets qui s'appuient sur des complémentarités. Donc on valorise la différence, on valorise cette complémentarité plutôt que de considérer que tout le monde doit développer les mêmes compétences au même âge pour ne pas avoir besoin des autres. Donc ça, c'est vraiment une dimension sur laquelle on pourrait encore beaucoup plus travailler, même si il y a de plus en plus de projets sur l'apprentissage collaboratif à l'éducation nationale, mais ça reste une représentation qui n'est pas suffisamment valorisée, y compris dans le domaine du travail. Une deuxième manière de pouvoir développer les compétences psychosociales, ce sont des ateliers spécifiques sur chaque compétence. Alors, je vais y revenir plus en détail et sur la troisième manière également, où on va développer ces compétences, mais d'une manière transversale. Alors, juste pour revenir sur ce premier point concernant l'importance de former les adultes, de former les professionnels et les parents. Un exemple de programme qu'on a mené, notamment avec Béatrice et Humbert et Damien Tessier, qui sont ici présents, c'est le programme PROMOB, donc promouvoir la motivation des élèves et le bien-être à l'école, qui s'appuyait effectivement sur ce constat que lorsqu'on propose simplement à des intervenants extérieurs de faire des ateliers avec les enfants, on a des bénéfices, on a des effets, des programmes, mais une partie du bien-être de l'enfant et de la motivation aux apprentissages est liée à la relation enseignant-élève. Et lorsqu'on propose simplement des ateliers aux enfants, on ne travaille pas sur cette dimension clé de la motivation et du bien-être à l'école, qui est la relation à l'enseignant. Et donc, basé sur un certain nombre de travaux qui ont été menés sur les enseignants eux-mêmes, avec des programmes autour de la pleine conscience ou de la psychologie positive, on s'est aperçu que finalement, lorsque l'enseignant développe lui-même ses compétences psychosociales, il y a une influence indirecte sur le bien-être des élèves et leur motivation, alors même qu'il n'y a pas d'intervention auprès des enfants eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un levier d'intervention très important. Et donc, dans ce programme, on proposait aux enseignants de travailler vraiment sur leurs propres compétences psychosociales, en particulier les compétences de régulation des émotions et les compétences dans le domaine de l'interaction, c'est-à-dire comment on peut proposer des interactions qui vont répondre au mieux aux besoins psychologiques de l'enfant, les trois besoins étant le sentiment de compétence, d'autonomie et de
de lien social. Et cette dimension de lien social, c'est souvent quelque chose qui est un peu laissé de côté, quels que soient les secteurs, d'ailleurs, que ce soit dans l'éducation ou au travail. On considère que les relations, ça se fait tout seul. Donc, les relations entre les élèves, ça va se faire tout seul, entre les collègues aussi. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nécessite un travail. Ça se fait à la machine à café, ça se fait à la récré. Et en fait, qu'est-ce qui se fait concrètement? Ce qui se fait, c'est qu'on arrive en sixième et là, on se sent un peu seul et pas très en sécurité. On va se rapprocher de deux, trois copains qui nous ressemblent un peu parce qu'ils sont habillés pareil, voilà. Et après, on va se mettre à critiquer d'autres qui sont différents, habillés autrement, etc., pour se rassurer, pour consolider ce groupe, on va s'opposer à d'autres. Et donc, ça va générer, en fait, beaucoup de tensions et les situations de harcèlement ou de violence à l'école. Donc, l'idée, c'est vraiment de prendre conscience que la qualité des relations, elle est au cœur du bien-être et de la motivation des élèves et que l'enseignant peut contribuer à faire en sorte que ces relations soient de meilleure qualité, alors à la fois enseignant-élève, mais aussi les élèves entre eux vont pouvoir bénéficier de ce que l'enseignant aura développé en termes de compétences psychosociales dans cette formation. Donc, dans la formation, je vous ai mis juste un résumé, on va dire, des différentes thématiques. Donc, mieux comprendre la motivation, comment fonctionne la motivation des élèves pour pouvoir le plus possible nourrir une motivation autonome, une motivation intrinsèque pour qu'il y ait à la fois donc, cet engagement dans les apprentissages et plus de bien-être puisque ça a du sens pour l'élève. C'est pas une obligation simplement qui est subie. Deuxième dimension qui est prise en compte dans cette formation, c'est comprendre les émotions pour pouvoir mieux agir à la fois sur nos propres émotions en tant que professionnels et mieux accueillir aussi celles des élèves pour leur permettre de développer leurs propres compétences psychosociales. Enfin, une troisième partie qui porte sur les pratiques d'attention. Alors, on peut dire que c'est une sous-partie de cette catégorie sur la gestion des émotions, où on va proposer aux enseignants de découvrir déjà pour eux-mêmes des pratiques de pleine conscience. J'y reviendrai juste après, plus en détail, pour pouvoir mieux gérer leurs émotions et choisir les modalités d'interaction qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans leur quotidien de la classe, plutôt que d'être dans des réactions automatiques qui vont être générées par les émotions. Émotions, son étymologie, c'est mettre en mouvement. Donc, chaque émotion va entraîner un mouvement automatique. Et les pratiques de pleine conscience, leur objectif, ça va être de retenir ce mouvement automatique pour pouvoir proposer une réponse choisie en lien avec ce que l'enseignant souhaite effectivement de meilleur dans ses gestes pédagogiques et pour ses élèves. Donc ensuite, ces pratiques, elles vont être donc à la fois expérimentées par les enseignants, mais aussi travaillées dans le contexte des séquences pédagogiques. On leur propose donc des jeux de rôle, un travail de préparation de séquences pédagogiques qui vont mieux prendre en compte les besoins psychologiques fondamentaux des élèves et cette question des compétences émotionnelles et relationnelles. Donc, la pleine conscience, qu'est-ce que c'est? C'est alors, ça a été défini par John Kabat-Zinn, qui est le premier à avoir développé des programmes de recherche autour de la pleine conscience dans un contexte médical, donc dans un contexte laïque, où donc il a défini la pleine conscience comme un état qui résulte du fait de porter son attention de manière intentionnelle au moment présent, sans jugement, sur l'expérience qui se déploie instant après instant. Alors, dans cette définition, il y a le sans jugement. En fait, c'est très optimiste parce que notre cerveau fonctionne de telle manière que, quoi qu'il arrive, on va avoir tendance à catégoriser, à juger, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est dangereux, est-ce que ça me plaît, etc. Mais on peut prendre conscience de ce jugement plutôt que de se laisser embarquer par nos représentations et aller vers potentiellement de la discrimination, etc. Donc là, l'idée, c'est prendre davantage conscience du jugement et pouvoir le laisser de côté. Se dire, en fait, ce n'est qu'un jugement, ce n'est que ma représentation aujourd'hui et je vais essayer d'aller au contact de la réalité plutôt que de la voir à travers ce filtre-là. Et aujourd'hui, cette compétence de pleine conscience qui comprend en fait
plusieurs compétences, hein, la capacité à se décentrer, la capacité à développer une relation bienveillante à soi, aux autres. Donc cette compétence multiple, on va dire, est considérée aujourd'hui comme une compétence psychosociale qui va favoriser à son tour l'utilisation optimale des autres compétences psychosociales. Donc l'auto-évaluation positive, la gestion du stress et des émotions, l'affirmation de soi, l'écoute, l'empathie. Donc les recherches ont vraiment mis en évidence une quantité importante d'effets de ces pratiques de pleine conscience sur un certain nombre de compétences cognitives, sociales, émotionnelles de cette catégorisation des compétences psychosociales. Donc au niveau des ateliers concrètement pour pouvoir développer les compétences psychosociales, donc soit on peut passer par développement de ces compétences dans l'environnement de l'enfant, soit des ateliers qui peuvent être proposés aux enfants. Donc c'est la raison d'être de ce livre que nous avons fait avec Béatrice Lamblois et Marie-Odile Williamson, où on a répertorié beaucoup de pratiques qui ont été utilisées dans des programmes scientifiquement validés afin de les rendre plus accessibles pour les enseignants, puisque ça fait partie de leur programme, mais aussi dans d'autres contextes éducatifs, donc pour les travailleurs sociaux par exemple. Donc là, je vous ai mis quelques exemples de pratiques que vous pouvez trouver dans cet ouvrage, avec notamment donc une pratique autour de la pleine conscience dont je vous parlais, donc savoir être pleinement attentif ou attentif pleinement dans l'ici et maintenant, avec des petits moments d'arrêt sur image, des petits moments où on va apprendre à observer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, par exemple, c'est des pratiques que les enseignants peuvent faire et font d'ailleurs beaucoup aujourd'hui dans les classes, hein, des petits moments où ils vont sonner une petite cloche ou un triangle, juste pour attirer l'attention des élèves à ce temps d'arrêt, se dire ben, sur quoi était portée mon attention à ce moment-là? Et là, au moment où je m'arrête, comment je me sens à l'intérieur? Quelles sont mes émotions, mes sensations, mes pensées? Et si je tourne l'attention aussi vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on entend? On peut entendre des bruits à l'extérieur de la classe, des bruits à l'intérieur. Et le simple fait de faire ce temps d'arrêt, puisque tous les élèves vont le faire ensemble, c'est aussi une manière de rediriger l'attention sur ce qu'on est en train de faire pendant le cours. Donc c'est un temps d'arrêt qui est très court, mais qui favorise ensuite le réengagement de l'attention dans les pratiques de cours qui sont proposées par l'enseignant. Alors, dans le programme promotion de la motivation et du bien-être à l'école, donc on a évalué pendant plusieurs années, là je vous ai mis juste les premiers résultats qui montraient donc un effet de ce programme. C'est 2 jours et demi de formation pour les enseignants, avec des pratiques entre les sessions de formation qui sont proposées pour que l'enseignant puisse développer ses compétences. Et donc notamment, on voit une augmentation des compétences de régulation des émotions, hein, donc ce qui était principalement ciblé dans ce programme. Et également, donc, le corollaire, c'est une amélioration de la satisfaction professionnelle. Alors ici, il y a 3 temps de mesure, parce qu'il y avait un temps de mesure au moment de la première formation, la première journée, puis ensuite un 2e temps de mesure après la 2e journée de formation, et puis un temps de mesure à l'écart, donc après la fin, plusieurs semaines après la fin de cette formation. Donc là, on voit que la satisfaction professionnelle, elle augmente après la fin de cette formation, une fois que l'enseignant a pu mettre en œuvre plus concrètement des choses, soit dans son quotidien personnel, soit effectivement dans sa classe. De même, pour la régulation des émotions, on voit que ça augmente progressivement vers une meilleure compétence de régulation. Donc ces ateliers de compétences psychosociales, on peut en trouver de différents types pour différents âges, mais qui ciblent toujours ces mêmes compétences. Essentiellement, les programmes portent sur les compétences émotionnelles et relationnelles, parce qu'elles se sont inspirées du modèle Social and Emotional Learning, donc qui a été développé aux États-Unis puis dans tous les pays anglo-saxons, où on propose essentiellement ce travail sur les compétences relationnelles et émotionnelles et un peu sur la résolution de problèmes. Donc il y a un certain nombre de programmes validés donc qui existent en France aujourd'hui, qui sont développés sur plusieurs académies, notamment le programme
PRODAS, qui est basé sur des temps, des espaces de parole, en fait, avec les élèves, où il va y avoir cet espace pour pouvoir exprimer ses émotions par rapport à des expériences personnelles. Donc, c'est vraiment très innovant parce que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il n'y avait pas vraiment de place pour l'expression des émotions à l'école. On est là pour apprendre, on n'est pas là pour s'amuser, etc. Donc, les émotions, on va les laisser de côté puisqu'on arrive mieux à apprendre quand il n'y a pas les émotions. Or, toutes les recherches qui ont été menées depuis dans le champ de la psychologie positive, hein, depuis les années 2000, ont mis en évidence l'importance du rôle des émotions dans les apprentissages et donc leur prise en compte et la place qui peut leur être accordée va être un atout important pour le développement du bien-être et de la motivation scolaire. Donc ce programme PRODAS, il a été évalué depuis plusieurs années, hein, depuis 2008 je pense, sur l'Académie de Marseille. Il existait aussi sur l'Académie de Grenoble, mais actuellement il n'est plus dispensé. Mais il y a eu une évaluation qui a été faite sur l'Académie de Marseille qui montre vraiment l'utilité de ce type de groupe, enfin de temps de parole, de temps d'échange avec les enfants. Un deuxième programme qui a été développé par l'IREPS Pays de la Loire, qui s'appelle STRONG, en fait, dans le cadre d'un projet européen qui a été effectué dans 5 pays, dont la France. Donc, c'est un programme basé sur le développement des compétences psychosociales pour favoriser la résilience. Donc, là aussi, vous pourrez trouver des évaluations sur Internet de ce programme. Et puis, le programme UNPLUG, qui a été développé au départ dans 7 pays européens, qui est notamment proposé ici par la Maison des sciences de l'homme avec l'Observatoire territorial des conduites à risque de l'adolescent, donc sur une trentaine d'établissements de l'Académie de Grenoble. Donc c'est un programme plus spécifiquement sur la prévention des conduites à risque et notamment des conduites addictives, hein, d'où le terme unplug, donc se débrancher, basé sur les compétences psychosociales avec 12 séances. Et ce que montrent les recherches sur ces programmes validés, c'est que en moyenne, il faut à peu près 10 séances de 1 heure pour avoir une bonne efficacité des interventions. Et c'est pas surprenant puisqu'il y a beaucoup de compétences psychosociales. Donc, à chaque fois, on fait 1 heure par compétence. Déjà, c'est pas beaucoup. Donc, voilà, si on veut développer vraiment plusieurs compétences, il faut bien au moins 10 heures. Ce qui est également indiqué dans la littérature, c'est que il est utile de répéter ces interventions dans différents cycles, c'est-à-dire on peut en faire en maternelle, mais ensuite c'est bien de le reprendre à l'école primaire, enfin élémentaire, puis au collège, puis au lycée, puisque au fur et à mesure du développement cognitif de l'enfant, il va pouvoir se saisir de ses compétences psychosociales d'une manière plus approfondie. Donc on va dire, en fonction de l'âge, on propose des ateliers qui vont être différents, mais même si on travaille sur les mêmes compétences, il est utile de les reprendre d'année en année, ou en tout cas de cycle en cycle. Alors, quelques exemples sur, par exemple, identifier et comprendre les émotions. On peut proposer aux enfants des petites situations comme Noé, donc qui dit « Je suis tout seul à la maison, je ne sais pas quand maman va rentrer, j'entends du bruit, je ne sais pas ce que c'est. » Et là, on demande aux enfants de noter comment se sent Noé ? Donc, quelles sont les émotions que Noé ressent à ce moment-là ? Donc, on leur présente plusieurs situations pour qu'ils arrivent à mieux identifier l'émotion et comprendre d'où elle vient. Qu'est-ce qui génère une émotion de peur ? Qu'est-ce qui génère une émotion d'inquiétude ? Il y a différentes intensités. Pour une même situation, certaines personnes vont avoir une intensité très forte de cette émotion et d'autres une intensité beaucoup plus faible. Donc cette prise de conscience aussi des différences interindividuelles permet de développer l'empathie des élèves qui vont pouvoir mieux comprendre pourquoi dans certaines situations qui eux ne leur semblent tout à fait banales, ben, un autre enfant va être très affecté parce qu'on ne fonctionne pas tous de la même manière. Un autre exemple de pratique, donc pour exprimer ses émotions, notamment des émotions difficiles, donc comme la colère ou la frustration, ce sont des émotions qui vont générer davantage de comportements automatiques. En fait, le fonctionnement humain et qui nous a permis de survivre au travers des siècles, c'est grâce à nos émotions difficiles, nos émotions négatives, on va être en mesure de réagir très vite. Donc si on a une émotion de peur, on va fuir. Si on a une émotion de colère, on va attaquer. Et donc c'est ça qui nous a permis de nous débrouiller au mieux pour survivre.
Or, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un environnement qui est beaucoup moins menaçant par rapport à notre survie qu'à l'époque de la préhistoire. Mais on a gardé ce même fonctionnement, donc on continue à réagir d'une manière automatique lorsqu'on a une émotion de peur ou une émotion de colère. Et ces réactions automatiques, souvent, ce sont des réactions qui vont entraîner des conséquences qu'on regrette par la suite. On s'est dit « Ah, j'aurais quand même pas dû crier, j'aurais quand même pu exprimer les choses autrement. » Donc, c'est des moments qui vont empirer la situation, des comportements qui vont empirer la situation. Donc, le travail qui est proposé dans les ateliers sur les compétences psychosociales, c'est ce travail de pouvoir exprimer l'émotion d'une manière qui soit entendable, d'une manière qui va permettre une réaction constructive en face. C'est-à-dire que plus nous on attaque l'autre, plus il va être sur la défensive et ça va simplement générer de la tension qui ne va pas aider la situation. Donc là, par exemple, ton papa ne t'a pas dit qu'il ne viendrait pas en week-end avec vous. Donc comment on peut exprimer la déception ou la tristesse ou la colère, hein. Chaque enfant peut avoir une émotion différente dans cette situation. Eh bien, on va utiliser notamment des techniques qui s'inspirent de la CNV, la communication non violente, où on utilise le message je au lieu de dire tu fais toujours des trucs sans nous dire ou tu fais ça et sans penser à moi. Voilà. Du coup, au lieu d'accuser l'autre, on va plutôt essayer d'être le plus objectif possible, tout en exprimant ses émotions. Donc, lorsque j'apprends que tu viens pas avec nous en week-end, ben moi, ça me rend triste. Et donc, le simple fait de pouvoir exprimer comment on se sent, mais sans accuser l'autre, ça permet à l'autre de mieux prendre en compte cette émotion et de pouvoir éventuellement ajuster ses comportements pour une prochaine fois. Donc, tes copains sont allés jouer sans toi et tu les retrouves ensuite. Du coup, tu t'es senti exclu. Et donc, comment tu peux exprimer ça par rapport à tes copains qui sont partis sans toi? Donc, quand vous partez comme ça, en me laissant derrière, à la cantine par exemple, je me sens exclu. Et là, ils vont avoir peut-être un geste plus rassurant, en disant on pensait que tu étais parti avec d'autres, etc. Donc, plutôt que de garder cette émotion difficile de colère, de sentiment d'exclusion, de tristesse, qui va entraîner des ruminations, on se dit en fait, personne m'aime, puis en plus, ils n'osent pas me le dire. Et petit à petit, on se met en retrait et on ne sait plus à qui on peut faire confiance ou pas faire confiance. Et donc, ça va générer des tensions et des situations difficiles à l'école. Et bien là, on propose de dire. Dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne correspond pas à nos valeurs, quelque chose qui nous a blessés, plutôt que de le laisser tourner en boucle dans la tête, apprendre à l'exprimer d'une manière qui va être entendable pour que les autres puissent s'ajuster. Un autre exemple de pratique sur la capacité à s'affirmer. Donc là, c'est différentes situations qu'on peut rencontrer dans le quotidien de l'école élémentaire ou du collège, où on va demander quelle est votre réaction habituelle dans cette situation et est-ce que, du coup, cette réaction, c'est plutôt une réaction passive, on est dans le retrait, on se dit, de toute façon, personne m'aime et du coup, à la récré, je ne vais pas aller jouer avec d'autres. Est-ce que c'est une réaction qui va être plutôt agressive? C'est-à-dire, je vais en taper un pour me venger parce qu'il est parti avec mon meilleur copain. Et, ou alors, ce qui va être recherché, c'est une réaction affirmée, c'est-à-dire la capacité à pouvoir à la fois exprimer son émotion, son besoin, tout en étant à l'écoute de l'autre et respectueux de l'autre. Donc là, on leur dit quelles sont vos réactions habituelles, de quelle nature elle était et comment on pourrait faire autrement si ce n'était pas une réaction affirmée, comment on pourrait proposer une réaction qui soit de nature affirmée. Donc pendant cette période de crise sanitaire, avec plusieurs collègues ici présents, donc notamment de l'association Essentiel et plusieurs collectifs, plusieurs organisations, plusieurs collectifs de professionnels que vous voyez en haut de cette diapositive, on a développé des contenus pour ce site internet pour rendre accessibles toutes ces pratiques autour du développement des compétences psychosociales, des pratiques d'attention, des interventions qui ont été validées par les recherches en psychologie positive.
pour permettre aux enseignants notamment de télécharger donc des pratiques avec un guide aussi pratique qui permet d'orienter l'attention vers comment, lorsqu'on anime ce type d'atelier, on peut mieux incarner soi-même ses compétences psychosociales et répondre aux besoins psychologiques fondamentaux, donc de compétences, d'autonomie et de lien social chez l'enfant. Donc il y a des kits, il y a un kit pour l'école maternelle, l'école élémentaire, collège, lycée, pour les enseignants eux-mêmes. Donc ça aussi, c'est une demande forte qui a émergé de plusieurs académies à la suite de cette période de confinement, reconfinement, déconfinement, etc., de travailler davantage sur la qualité des relations entre adultes, sachant que une des premières causes de l'épuisement professionnel des enseignants n'est pas tant les élèves eux-mêmes, même si on sait que c'est très difficile, les situations de classe avec 30 élèves, dont une partie ont des difficultés d'attention, d'apprentissage, etc. Mais en fait, ce qui détermine le plus le burn-out professionnel des enseignants, ce sont les tensions relationnelles avec leurs collègues. Donc ça, c'est une dimension qui a été vraiment mise en évidence pendant cette situation de crise où il y a eu notamment des suicides, etc., où les chefs d'établissement ont souhaité, notamment sur l'Académie de Grenoble, développer des projets autour d'une plus grande bienveillance dans les relations entre professionnels et une plus grande attention portée au bien-être des enseignants. Donc il y a un kit pour les enseignants et un kit pour les familles, pour que les parents aussi puissent mieux connaître ces compétences, les développer pour eux-mêmes s'ils le souhaitent et avec leurs enfants dans le contexte familial. Alors, à titre indicatif, donc ce site a été développé donc juste avant le premier déconfinement. Et il y a eu donc à cette période-là 15 000 téléchargements de la part des enseignants ou des familles. Aujourd'hui, plus de 20 000, j'ai pas les chiffres exacts, qui dénotent vraiment cet engouement, cet intérêt pour les pratiques de développement des compétences psychosociales chez l'enfant. Et donc la troisième façon de développer les compétences psychosociales, c'est en les développant d'une manière transversale. Alors c'est un graphique, c'est un peu particulier, mais habituellement donc, pour développer les compétences psychosociales, on va avoir des ateliers que vous voyez tout en bas, des ateliers donc pour développer la résolution de problèmes, on va faire une heure sur les stratégies de résolution de problèmes en 5 étapes. Pour développer la régulation des émotions, on aura une heure sur l'identification des émotions, une heure sur la compréhension, une heure sur l'expression, etc. Donc ça multiplie les heures nécessaires. Pour travailler sur l'empathie, on peut travailler sur les scénarii qui sont proposés aux élèves avec des petites bandes dessinées où ils doivent essayer de se mettre dans la peau de l'autre et voir qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête, comment l'autre se sent quand il vient l'aider, etc. Donc, on va dire au total, avec 10 heures, puisque c'est ça la moyenne pour avoir une efficacité, on aura eu la chance de faire une heure par compétence. Et on peut imaginer que ce n'est pas tout à fait suffisant, surtout pour certaines compétences, comme la régulation des émotions, qui là, pour le coup, nécessite beaucoup plus d'entraînement dans le quotidien. Donc, sur la base des recherches qui ont été menées sur la pleine conscience et sur la psychologie positive, on s'est aperçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que ces pratiques de pleine conscience et ces compétences qui vont être développées peuvent agir de manière transversale sur l'ensemble des catégories de compétences psychosociales. Je vous donne un exemple. Donc, les pratiques de pleine conscience, elles vont permettre d'agir sur des processus psychologiques qui, à leur tour, favorisent le développement des compétences psychosociales. Ici, on a pris l'exemple de la décentration, donc cette capacité à prendre du recul, à voir les choses d'une posture d'observateur, plutôt que de s'identifier et d'adhérer à 100% à ses pensées, à ses émotions, on les prend avec un peu de recul. Ça va permettre d'agir sur des compétences cognitives, telles que la résolution de problèmes, grâce à cette prise de perspective. Ça va permettre d'améliorer la régulation des émotions, donc une compétence émotionnelle, encore une fois, grâce à ce recul qu'on peut prendre. Et ça va permettre de développer l'empathie, puisqu'on est capable de se décentrer, donc de prendre la perspective d'autrui. Donc, avec une pratique, donc une séance d'une heure par exemple de pratique de pleine conscience, on va agir sur l'ensemble des catégories de compétences psychosociales et donc au bout de 10 heures de pratique, on peut avoir davantage ancré
ses compétences et en particulier la régulation des émotions. Donc, c'est ce qui a été montré dans les méta-analyses sur la pleine conscience. Quand il y a vraiment, s'il y a un seul effet qui sort à chaque fois, c'est la régulation des émotions. Donc, il y a un effet très fort sur cette dimension. Sachant que là, j'ai pris juste l'exemple de la décentration, mais dans ces pratiques de pleine conscience, on agit en même temps sur plusieurs processus psychologiques, comme la capacité d'acceptation, donc d'accueillir ses émotions, ses pensées, d'accueillir l'autre tel qu'il est, des compétences d'attention qui vont être aussi très utiles pour le domaine scolaire, des processus d'autocompassion, c'est cette attitude bienveillante envers soi qui est l'inverse de l'autocritique répétitive négative. Donc tous ces processus psychologiques vont être favorables aux compétences psychosociales et à la santé mentale. Donc voilà, c'est trois manières qu'on peut mobiliser pour favoriser le développement des compétences psychosociales. Donc en résumé, il y a des interventions efficaces qui sont accessibles, donc des outils accessibles gratuitement, des formations qui peuvent être proposées par l'association Essentielle par exemple, par des universitaires dans le cadre du plan académique de formation, etc. Vraiment à prendre en compte, c'est cette importance de la formation des professionnels, parce qu'aujourd'hui, énormément d'enseignants achètent des livres, essayent de mettre en œuvre des pratiques, mais peut-être sans avoir identifié tous les processus sur lesquels on peut agir pour augmenter l'efficacité de ces ateliers. Donc, ça peut être vraiment utile de développer ces formations, à la fois en formation initiale et en formation continue. Donc, il y a énormément d'initiatives en France aujourd'hui autour du développement de ces compétences. Pas suffisamment d'évaluation encore, mais ça se développe également. Et donc, un besoin très fort en termes de formation. Et donc, on remercie tous les professionnels qui sont engagés là-dedans. Et je vous remercie de votre attention. Donc, on a un petit temps pour des questions. Yes. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on ne va pas vous passer le micro, oui. Mais vous nous dites la question et on la redit dans le micro pour que les personnes en ligne l'entendent. Alors, pendant que vous réfléchissez, je vous mets juste l'information pour par rapport à la journée de l'innovation positive de demain. Donc, vous pouvez y assister soit en présentiel, soit en visio. Donc, c'est aussi Jean-Baptiste qui gère l'interface pour ceux qui sont en format hybride. Et dans cette journée, je te laisse dire un mot, si tu veux. Ouais. Et ben, donc, il est déjà encore temps de s'inscrire pour cette journée qui a lieu demain sur la Maison de la Création et de l'Innovation, qui est juste à côté sur le campus. Et donc, cette journée de l'innovation, c'est une journée qui permet de mettre en lien vraiment des projets, des initiatives concrètes de terrain qui ont pour but de développer la santé mentale et relationnelle. Et donc, demain, on aura plusieurs intervenants qui viendront, par exemple, présenter les premiers secours en santé mentale, mais également le développement des compétences psychosociales avec l'association Essentielle et puis l'association Sève. Comment matcher avec son psy, avec, par exemple, le divan jaune, qui est une application pour faciliter la rencontre avec un psychologue. Voilà. Plusieurs. Et puis la Maison Perchée aussi, qui est une association de père et danse, qui a été conçue, gérée entièrement, intégralement par des personnes concernées. Voilà. Et donc, ils viendront nous présenter leur très chouette projet. Donc, on vous attend nombreux. Voilà. Alors, est-ce que ça a laissé le temps de faire émerger des questions ? Oui ? Alors, est-ce qu'il existe une version des CPS où, justement, on ne focalise pas sur la résolution de problèmes, mais sur plutôt l'approche centrée solution ? Alors, très bonne question. En fait, du coup, c'est une façon complémentaire qu'on va avoir de développer les compétences psychosociales. Donc, il y a soit les ateliers classiques où on est sur la compétence elle-même, résolution de problèmes, soit on va être sur une approche
une approche plus transversale, avec notamment l'approche centrée solution, où là, on va plutôt chercher à développer le pouvoir d'agir de la personne à travers le questionnement qui est posé sur tout ce que vous faites déjà, qui vous permet de tenir par rapport à cette situation, tout ce que vous avez pu identifier comme ressources personnelles, comme forces personnelles. Donc ça, c'est ce qu'on ferait aussi dans les interventions de psychologie positive, où ça va permettre d'agir à la fois sur la compétence résolution de problèmes, mais aussi sur l'auto-évaluation positive de soi, l'évaluation positive des autres, et donc la facilité à coopérer avec d'autres, puisqu'on a un regard plus positif sur les autres. Donc en fait, ça va agir sur plusieurs compétences à la fois. Donc on est plus dans ce schéma des interventions pleine conscience, psychologie positive, approche centrée solution, où on développe plusieurs compétences à la fois. On n'est pas centré sur juste comment résoudre un problème concrètement, mais une démarche différente où on apprend à identifier où sont nos ressources, comment on fait déjà dans notre quotidien, comment on a fait par le passé quand on a dû résoudre des problèmes. Donc on s'appuie sur l'expérience des personnes et donc leur pouvoir d'agir. Donc, est-ce que quand on travaille sur l'empathie, je vais y arriver. J'ai perdu la farde, du coup, je suis désolée. Est-ce que tu peux la redire, Marie? Oui. Est-ce qu'on sait si en travaillant l'empathie, ouais, ça peut également peut-être permettre de développer d'autres champs de compétences? Donc, est-ce que quand on travaille sur l'empathie, ça permet de développer d'autres champs de compétences? Oui, très bonne remarque. En fait, les compétences psychosociales sont interreliées. C'est-à-dire que quelle que soit la compétence sur laquelle on va travailler, ça va avoir aussi une influence sur d'autres compétences. Donc en particulier l'empathie, puisque même si elle est classée dans les compétences sociales, en fait, au niveau des recherches en psychologie, on ne pourrait pas la classer uniquement dans les compétences sociales. C'est une compétence cognitive, la prise de perspective. C'est une compétence émotionnelle aussi, en être en mesure d'identifier l'émotion de l'autre. Donc, c'est une compétence qui, déjà en soi, est à cheval sur plusieurs catégories. Mais en plus, elle repose sur d'autres compétences et permet d'en développer. Donc, on peut aussi développer... une meilleure capacité à réguler les émotions, puisque en prenant la perspective d'autrui, on peut mieux comprendre pourquoi il a agi de cette manière, et nous, ça nous touche, mais finalement, si on prend cette perspective, on peut minimiser finalement l'importance de ce geste qui peut-être n'était pas fait avec une mauvaise intention. Et donc, qu'est-ce qui nous fait dire que la pleine conscience est une porte d'entrée qui irradie sur l'ensemble des champs de compétences? Oui, alors les compétences psychosociales, elles sont interreliées, mais elles n'agissent pas forcément toutes sur des processus psychologiques transversaux. Donc là, le cas de l'empathie, c'est particulier puisqu'elle est déjà en elle-même transversale. Mais si on prend... l'exemple de l'atelier résolution de problèmes, il n'est pas certain que dans cet atelier, on soit à même aussi de développer la compétence régulation des émotions, de développer la compétence affirmation de soi. Donc, si on n'agit pas en fait sur un processus qui est commun à plusieurs CPS, on a moins de chances de pouvoir avoir cet effet transversal. Donc, ce qui nous a amené à ce schéma et à cette conclusion que les interventions pleine conscience ou psychologie positive, ça avait vraiment un intérêt pour développer ces compétences de manière transversale, c'est toutes les revues de questions et méta-analyses qui ont mis en évidence tous les processus psychologiques qui sont activés et qui sont du coup reliés à ces compétences. Donc c'est simplement basé sur la littérature, sachant que les recherches sur les CPS jusqu'à présent ont beaucoup moins étudié le processus. Ils ont étudié juste les effets,
Alors que dans la pleine conscience, on s'est vraiment intéressé toujours au processus. Qu'est-ce qui permet ça? Sur quoi ça agit? Et ça, ça agit sur quoi, etc. Donc, on a plus une lecture de ces processus et des informations là-dessus. Alors que dans les programmes CPS, en milieu scolaire, déjà, c'est plus difficile à évaluer chez les enfants, les processus psychologiques. Ça implique une métaconscience, du coup, qui n'est pas forcément présente chez les plus jeunes. Et par ailleurs, on avait une limitation qui est qu'on n'avait pas d'outils, de questionnaires permettant de mesurer l'ensemble des compétences psychosociales. Donc, dans les revues de questions qui ont été faites, ce qu'on constate, c'est qu'il y a quelques compétences qui sont mesurées, mais jamais toutes. Donc, on ne sait pas exactement sur quoi agit le programme et du coup, quels sont les processus impliqués. Donc, c'est pour ça qu'avec Damien Tessier, ça fait plusieurs années qu'on travaille sur la validation d'échelles permettant de mesurer l'ensemble des compétences psychosociales pour pouvoir aussi étudier les différents processus qui sont impliqués, quel programme agit davantage sur quelles compétences et comment elles s'influencent les unes les autres dans le cadre de ces programmes où certains programmes ne vont pas du tout agir, par exemple, sur la pensée critique ou sur la pensée créative. Hein, c'est très rare dans les programmes CPS. Donc, comment les autres compétences vont quand même pouvoir agir là-dessus ou pas? Est-ce qu'il faut rajouter des modules spécifiques? Voilà. Donc, ça, c'est un champ de recherche en pleine expansion qui nécessite encore beaucoup de travail plus fin, on va dire, sur les processus en jeu. Moi, j'ai une question pour toi. Comment est-ce qu'on, ou quelles ressources est-ce qu'on a pour pouvoir développer les compétences psychosociales au sein de la famille? Parce que tu nous as présenté plusieurs ressources. Sur le site Covidel, y a un kit pour les familles et l'association AFEPS, qui fait aussi partie de ce collectif, ils ont un site avec des kits spécifiques pour les parents. Donc, vous pouvez aller voir, les télécharger gratuitement également. Et ils proposent aussi des formations. Donc, c'est une association qui a été développée par Béatrice Lambois, qui aurait dû être là aujourd'hui. Et donc, elle a énormément œuvré. Ça fait 15 ans, je pense, qu'on travaille ensemble sur le développement des CPS dans tous les contextes. Donc, on a commencé par des programmes de soutien à la parentalité. Donc, c'est le programme SFP, Strengthening Families Program. Et puis après, voilà, comme Béatrice est à Santé Publique France, elle a pu vraiment soutenir avec ses collègues de l'INPES à l'époque et de Santé Publique France aujourd'hui le déploiement de tous ces programmes, notamment Unplugged, Strong, etc. Donc on vous remercie pour vos questions, pour votre attention et on vous souhaite bonne continuation et j'espère à demain. Et on se retrouve pour la prochaine conférence Feel Good le jeudi 20 janvier avec Gaëlle Brûlé qui viendra nous parler de son livre Petite mythologie du bonheur français. Voilà, plein de petits exemples sur est-ce que les Français râlent plus que les autres. Il a plein de réponses à nous apporter. Donc on a hâte de vous retrouver le jeudi 20 janvier à 12h30 ici à la MSH.